C'est Stéphane. Voilà. De retour à l'ancien abri. Parce que bon, l'autre, il fallait mettre les feuilles mortes dessus là. Puis j'ai pas trop envie cet après-midi. Alors voilà. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. Il y a longtemps que j'ai pas souhaité la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On a passé allègrement le cap des 2000. Merci. Voilà, comme d'habitude. Merci. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, j'ai rien fait pour l'instant. Ça viendra peut-être que je trouverai un peu de temps. Là, c'est temps. Je suis un peu débordé. Je me suis octroyé le temps de sortir cet après-midi, il y a deux petites heures, pour vous parler de deux, trois sujets, parce que j'ai eu plusieurs questions. Trois. Et puis, un sujet que je tenais à cœur de faire depuis un moment, pour de multiples choses et erreurs que j'ai vues ou constatées dans certaines vidéos. Je m'octroie pas le droit d'être prétentieux de nouveau, mais juste essayer de partager quelques astuces et d'expliquer les choses peut-être pour comprendre comment fonctionnent ou vont certains outils. Voilà. Il fait beau, si on veut, hein. Enfin, il y a des portions de ciel bleu dans des portions de ciel gris. La neige est 100 à 200 mètres derrière moi. Là, je viens de me taper une belle montée, donc j'ai chaud. J'ai testé un nouveau pull thermo que j'ai trouvé au magasin agricole local qui a l'air d'être faire parfaitement son affaire. Un vieux pull en laine bien old school, tiré tout droit des bronzés fonds du ski, n'est-ce pas? Mais j'aime bien, je suis bien dedans. Et la laine, ça respire et c'est le prochain chapitre dont je vais vous parler. Alors, vous avez pu constater ces derniers temps, pas mal de monde traite un peu des sujets de saison, ce qui est un peu normal. On voit certains sujets qui se répètent, qui sont récurrents chez certains, chez d'autres. C'est très bien, on partage les choses pas forcément de la même manière. Souvent, ça apporte quelque chose, un petit plus en plus, des fois pas, mais ma foi, c'est normal. Moi, je pense que cette vidéo, ou peut-être qui sera peut-être en deux parties d'ailleurs, vous apportera peut-être quelque chose ou peut-être pas, c'est normal. Voilà. Je voulais vous causer de ça. Parce que depuis la naissance de mon grand, donc ça fait il y a 7 ans en arrière, je me suis mis, ça va vous faire marrer, hein, je suis sûr, je me suis mis au tricot. Et j'avais tricoté les premiers chaussons de mon fiston. Le tricot, ça ne m'a pas plu très longtemps parce que je trouve ça un peu merdique en fait, voilà, c'est personnel. Hein. Je parle de ça aussi, ça m'avait fait marrer, pas marrer, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa et vraiment original de la part de la femme de Jess, des Indomptables Dauphinois. Oula, pas que je l'écorche. Qu'il y a fait ses aiguilles à tricoter dans la forêt, je trouvais ça vraiment sympa. Alors moi, j'ai pas encore fait mes aiguilles à tricoter parce que j'en ferai pas. Je fais du crochet tous les hivers. Je fais les bonnets des gamins, je fais les bonnets pour moi. Puis cette année, je tenais à cœur de faire un bonnet différent pour ma tête parce que j'en avais marre de mon bonnet noir industriel. Donc voilà, le bonnet que vous verrez sur les prochaines vidéos, c'est fait au crochet, c'est fait par Vivi. Voilà, le soir, dans le canapé, en train de discuter avec madame, ou bien n'importe, dès que j'ai un moment de libre, sur les toilettes, va savoir, hein, ça se met dans la poche, ça tire pas de place. Puis le crochet, ça détend, ça fait bosser les doigts, on pense à autre chose, hein, ou à rien, pendant un petit moment. Voilà, alors je tenais à vous le montrer. Pourquoi je parlais avant des sujets de saison, c'est parce que Dave Canterbury, que vous connaissez peut-être ou pas, a présenté ça il y a pas longtemps avec d'autres choses. Et même si on a des connexions avec des gens avec qui on discute de temps en temps, il y a aussi des connexions avec des gens qu'on connaît pas du tout. J'ai trouvé ça assez marrant, donc il nous a présenté quelques trucs récemment dont j'étais en train de bosser dessus. Donc voilà, ça m'a mâché une partie du travail et j'ai dû aller chercher le reste. J'ai trouvé de la laine 100% pure laine et puis voilà, j'ai tricoté ça, crocheté ça. Et ça me convient très bien. J'ai pas envie de faire de couleurs supplémentaires ou de faire de mailles particulières, c'est tout des demi-mailles. C'est très facile à faire, ça prend un peu de temps, mais ça occupe. Voilà, je passe à autre chose, on reste dans la laine, mais avec autre chose. Petite image du lendemain, pas du tout raccord, parce que ma carte mémoire a foiré, donc j'ai un bout comme ça de fichier qui est parti. Alors ma foi, bon, bah aujourd'hui il neige, hein, un petit peu. Je suis pas encore chez moi, je suis un peu en dessous, entre la plaine et ma montagne. Voilà. Autre chose, on parlait, je vous ai montré la dernière fois ma soinderie. J'en ai parlé comme ça très rapidement et j'ai eu des questions, alors trois, j'ai dit avant, hein, je crois. Donc je vais essayer de répondre assez rapidement à pourquoi du comment. Alors je commencerai déjà par, comme la plage Palaska, c'est pas quelque chose que je conseille, c'est pas quelque chose que je préconise, je vous dis pas d'aller en acheter une vite fait parce que c'est le truc qu'il faut avoir. C'est juste que moi ça me plaît, voilà, je suis bien dedans. J'aime beaucoup ce truc-là, et puis, voilà, donc je vous le présente, peut-être qu'il y en a d'autres que ça intéressera. Hein. Et puis voilà, d'ailleurs, ceux qui m'ont posé la question étaient effectivement intéressés.
Alors, pourquoi la sonnerie? Parce que déjà, depuis tout jeune, j'ai toujours aimé les pulls. Pourtant, je pense que les vestes à fermeture éclair ont bien d'autres avantages, comme de l'ouvrir rapidement quand on a chaud et ainsi de suite, pour les enlever, les mettre et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé les choses qui sont fermées. Voilà, donc je trouvais que c'était assez adéquat. Deuxièmement, c'est un truc qui est fait en laine. Donc c'est de la laine de mouton de Nouvelle-Zélande. C'est pas trop épais pour de la laine. Et ça fait quand même partiellement son office. Aujourd'hui, là, je suis en forêt donc il fait 0 degré, un peu de choses près, je bouge pas, je suis descendu de la voiture qui est même pas chaude parce que voilà. J'ai juste un col roulé en coton dessous et ça. Et là, sans bouger, sans rien, j'ai pas à froid. J'ai froid un peu aux mains, mais j'ai pas à froid. C'est un autre type de chaleur, ça se régule quand même nettement mieux. Et voilà, j'aime bien ça, c'est assez respirant. Et je vais vous expliquer un peu le principe de la chose. Celle-ci, on le voit, est assez ample. C'est voulu parce que si je mets par exemple un soir où il fera un peu plus froid, ou j'aurai un peu plus froid, je pourrais toujours mettre un pull dessous et j'aurai encore la place de bouger. Parce qu'après, c'est ça, moi, le problème, c'est que je déteste me sentir coincé. Donc voilà. Le principe, l'habit en lui-même, quand on le voit comme ça, il est quand même assez simple. C'est taillé à la hache, hein, c'est un peu carré, il n'y a pas de souci. C'est vachement long, c'était ma hantise au départ, c'est échancré sur les côtés. C'était un peu ma hantise au départ parce que je me disais que j'allais sûrement être un peu entravé dans mes mouvements ou autre. Et en fait, non, c'est une bonne jupe, une bonne robe, ça va très très bien. Et ça ne m'entrave absolument pas. L'autre avantage donc, de la laine, en dehors du fait que c'est assez respirant, c'est aussi un truc qui se tient beaucoup mieux au feu. Il est plus difficile de mettre le feu à la laine que de mettre du feu au plastique ou à tous les éléments Gore-Tex et autres synthétiques, polaires entre autres. Voilà, ça résiste, une braise peut tomber dessus, on a largement le temps de l'enlever sans qu'il y ait un trou. Voilà. Après, ça va finir par brûler quand même, hein, si on laisse la manche dans le feu, ça c'est clair. Voilà. Le principe de la sonnerie qui est assez sympathique, donc moi ça fait un mois que je l'ai utilisé quand même sur 5-6 sorties dans des conditions un peu similaires, une fois de neige, pas de neige, mais toujours aux alentours des 0 degrés. Quand je monte au tchoum ou autre, ça côte, donc je transpire assez rapidement, j'ai vite chaud. Je suis un gars qui a très vite chaud, donc c'est mon problème au niveau de la thermorégulation, c'est très pénible, parce que je passe vraiment très vite d'un état à l'autre, et voilà, c'est quelque chose qui est dur à gérer. L'avantage par rapport à une veste qui s'ouvre sur le devant, c'est qu'on ouvre directement le poitrail. Et le principe, c'est là qu'on chauffe froid. Donc dès qu'on est un peu humide sur cette partie-là, dès comment on ouvre la veste de ce côté-là, on chauffe froid tout de suite. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est ouverte, ne serait-ce que par le bas. Déjà, l'air circule bien, et par les manches, la même chose. Donc on arrive à faire circuler assez facilement l'air au travers de cette veste pour garder une température assez idéale à l'intérieur. Après, c'est à vous de voir. Donc les manches se ferment ou pas, ça quitte à vous de rajouter un bouton si vous voulez fermer plus. Moi c'est ce que je risque de faire parce que j'aime bien à un moment donné que ça soit fermé. Ça vous permet de fermer ou pas un peu plus déjà pour le passage des manches. Les manches au passage vous servent en étant large aussi de gants. Si vous faut réchauffer les mains un tout petit moment, c'est pas un problème, les enfiler les unes dans les autres, ça marche assez bien. Merci John. Et puis le haut se ferme. Le capuchon viendrait fermer un petit peu le tout, si nécessaire. Et puis l'autre partie, évidemment, qui est celle qui bouffe à peu près qui va vous bouffer le plus de chaleur, suffit simplement d'avoir une ceinture à mettre par-dessus. Et puis vous fermez le bas sans aucun souci. Voilà. Et puis là, vous avez quelque chose qui ressemble un peu plus à une veste, qui est un peu plus fermée. Et là, vous commencez à garder la chaleur vraiment à l'intérieur. Voilà, c'est pas bien compliqué. Pour moi, ça me plaît comme concept. Je répète, c'est parce que j'aime ça, hein. Je conseille pas spécialement plus à quelqu'un à un qu'à un autre. Mais moi j'aime ça, je trouve qu'en plus ça va très bien dans le décor. Ça fait assez lutin du Père Noël, comme je l'ai déjà dit, et j'aime ça, voilà, ça me plaît. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il fallait que je dise sur la sonnerie. La sonnerie, c'est une marque, hein, on est d'accord, qui fabrique toute une gamme de vêtements dont cette veste. Il y a d'autres marques que je ne saurais vous citer parce que Dave Canterbury d'ailleurs en a une d'une marque très certainement américaine, on est bien d'accord, en laine qui ressemble un petit peu à ça, qui est peut-être à peine plus courte. Morad Panam Bushcraft, n'est-ce pas, qui vient d'ouvrir un atelier qui fait énormément de choses en cuir et en plein de trucs. Je crois que lui-même aussi va se mettre à faire ses pulls en laine. Donc si des fois, allez, je tiens un œil, je vous mettrai le lien dans la description aussi.
aller jeter un œil sur son nouvel atelier. Là, il fait du boulot assez sympa. Voilà, autre chose au niveau de l'eau, donc le vent et l'eau par exemple, c'est complètement décousu, hein, c'est normal, c'est Stéphane, hein, j'ai l'habitude maintenant. Au niveau du vent et de l'eau, donc le vent c'est pas coupe-vent, ça c'est sûr, mais comme je passe mes trois quarts du temps, enfin même le 90% du temps quand je la mets c'est en forêt, j'ai pas vraiment besoin de quelque chose de coupe-vent parce qu'en forêt il y en a peu. En tout cas dans les forêts que je fréquente moi, le vent au ras du sol il y en a très très peu ou c'est des courants d'air. Et puis au niveau de l'eau, il paraît que 2 heures sous la pluie, ça tient allègrement. J'ai pas testé, je vous dirai ça quand il pleuvra, pour l'instant il neige. Et puis je vous ferai très certainement un retour d'ici la fin de l'hiver, début, enfin fin, ou même fin du printemps. Parce que je pense que je vais la mettre encore un moment, hein, au vu des météos qu'on a ces dernières années. Et puis je vous ferai un petit retour là-dessus. On passe à la suite. Je vais tenter cette année de faire plein de petits sujets ou de micro-sujets sur pas mal de petites choses qui me touchent à cœur. Que ce soit très certainement, ça sera bientôt très certainement pratique. Je promets pas d'en faire 12, ou même peut-être qu'il n'y en aura que 3, j'en sais rien du tout. J'en ai déjà écrit un ou deux parce que ça mérite pour être traité complètement d'être écrit. Je pense que ça vaut la peine de temps en temps sur des sujets, je pense que je maîtrise, d'y faire une petite allusion. Alors aujourd'hui, ça va être assez simple. Si je la retrouve, et j'espère que je l'ai prise parce qu'autrement je suis beau mal, hein, quand même. Alors, je vais prendre simplement les gants, et puis, bah si, ha! Oh, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous raconter sur ça, si, tiens. La majeure partie des scies qui sont utilisées dans notre milieu, outdoor, bushcraft ou woodcraft, ou comme vous voulez l'appeler, sont des scies pliantes. Bien sûr, on en utilisera d'autres, les scies cadres, entre autres, et les scies à poignée. Mais la majorité sont des scies pliantes. Ces scies pliantes, pour leur majorité de nouveau, sont simplement et purement des scies d'élagage. L'élagage consiste simplement pour les horticulteurs, entre autres, ou je ne sais plus comment on appelle ça, oui, c'est horticulteurs. Ces scies sont utilisées pour scier les branches au printemps ou en automne, quand il faut commencer à tailler les arbres. Donc ces scies, les trois quarts du temps, ont, je même dirais même le 90% de ces scies. Ici c'est une Felco, scie suisse. Je remercie au passage Tacticraft qui en a parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'on en entend très très peu parler, puis pourtant elle est bien dans son test. Celle-ci, le manche a 7 ans, la lame en a la moitié parce que c'est sa deuxième lame. Je l'utilisais déjà avant pour tailler au jardin, avant de ressortir avec. La majorité de ces lames, maintenant vous commencez un petit peu à le savoir avec la petite flèche qui est notée dessus, je ne sais pas si vous la verrez avec la mise au point un peu lente de mon appareil. Mais cette petite flèche vous dit que c'est une scie qui s'utilise en tirant. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les gens qui font, les horticulteurs qui s'occupent de l'élagage, sont aiguillés sur une échelle et tout ce qu'ils veulent, eux, c'est tirer 2 coups pour descendre un morceau qui fait entre 30 et 40 mm de diamètre, le mettre en bas le plus rapidement possible. Alors évidemment, nous, quand on va utiliser ça sur un bout de bois sec et non vert, première chose, qu'on l'appuie mal et qu'on va coincer la lame en tirant dessus, comme un sauvage, certaines personnes trouvent que cette lame est fine, c'est normal, elle est absolument pas faite pour pousser. Pas dur. Donc, si vous voulez l'utiliser convenablement et de manière durable, il y aura peut-être 2-3 points qu'il va falloir quand même observer. J'aime pas beaucoup être moraliste, et puis je suis le premier à dire que dans bien des cas, je n'utilise pas les gants. Le gros problème de ne pas utiliser les gants, surtout pour des gens qui commencent, c'est qu'on en voit dans certaines vidéos qui se retrouvent avec la main gauche avec des jolis sparadraps, des mouchoirs entourés ou j'en sais rien quoi. Et ça, même si vous ne montrez pas ce qui s'est passé, on le sait. Donc, surtout avec ces scies et les dents qu'elles ont, une fois que vous vous ratez, elles font vraiment de sacrés dégâts. Donc personnellement, j'utilise des gants en cuir, tout simple. Hein, pas besoin d'avoir une norme ISO 12 500 000 anti-coupe, j'en sais rien quoi. Parce que tout ce qu'on cherche, c'est pas à vous protéger d'un coup de hache. La hache, je vous laisse ça avec Julien. Moi, je l'utilise pas. Mais par contre, d'avoir quand même quelque chose qui vous empêche d'avoir des éraflures ou des coupures vachement profondes au milieu de la forêt. Des fois, on n'est pas très loin de la voiture, ça fait rien. Si on peut s'éviter ça, je crois que c'est pas mal. Pourquoi est-ce qu'on va dire qu'elles sont uniquement faites pour tirer alors qu'on voit qu'elles sont clairement aiguisées des deux côtés? Simplement, quand vous allez tirer, elle aura vraiment une puissance de coupe assez forte. Et quand vous allez repousser, ça va simplement dégager le copeau pour que le copeau tombe et qu'on débourre simplement. Le point de coupe. J'ai pas préparé quoi que ce soit, donc évidemment les termes me viennent pas comme ça. Mais ça va, je fais pro, hein, jusque là. Les points d'appui. Beaucoup trop de gens coupent encore leur bois en tenant le bois de ce côté. La scie proche de la main est sans gants, donc au principe c'est là qu'elle dérape et qu'on arrive à faire une trace correctement sur sa main. En plus, en coupant de ce côté, toujours
en accentuant, en tirant et en lâchant un peu en allant. Évidemment, là, ma section est petite, donc c'est pas évident. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, exactement ce qui se passe maintenant. Et les 90% des cas, ceux qui plient leur lame, c'est parce que la lame, elle est pincée entre là et là-bas. Le bois va évidemment se resserrer, hein, et c'est ça qui fait que vous n'allez pas réussir à couper correctement. Donc, accordez-vous à mettre le bois à couper dans le vide, n'est-ce pas? Et là, vous n'aurez aucun problème à couper votre morceau. Si vous n'avez pas de gants, vous pouvez toujours vous accorder le luxe de poser le pied. Parce que là, avec la, en principe, si vous n'êtes pas en tong et que vous avez des vraies chaussures pour aller en extérieur, vous aurez beaucoup moins de soucis et puis moins de risque de vous plier un doigt. Et pour finir, une scie, contrairement à une hache ou un couteau, ne nécessite pas forcément d'entretien particulier, en tout cas pas sous cette forme-là. Donc je parle toujours de la scie pliante. C'est identique pour la scie à main, qui sont toujours les trois quarts du temps des scies d'élagage. Il y en a qui sont quand même notées va et vient, donc des dents qui sont triangulaires et non pas ici avec une face droite et une face conique. Une face en pente. Ça me va pas d'être sérieux, je raconte, j'arrive pas. Et puis, ce qui vous permettra, la seule chose que, bah, évidemment, elles sont faites pour scier du verre. Ça ne veut pas dire que ça l'use pas moins vite que de scier du bois sec ou du bois dur. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, ces lames, il faudra les changer parce qu'elles s'usent quand même relativement rapidement. Quoi. Voilà, une dernière chose, on en avait discuté et c'est quelqu'un d'entre vous qui, dans les commentaires de YouTube, donc, qui m'avait fait la remarque. Et c'est très très juste d'ailleurs, certains mettent une dragonne à la scie. Stop, arrêtez tout de suite. C'est le truc, un des trucs les plus dangereux. Et juste le fait de me l'avoir fait remarquer, j'y ai pas pensé avant, mais juste le fait de me l'avoir fait remarquer, c'est d'une logique implacable. On est souvent dans des environnements assez encombrés, en scie à côté d'un arbre, d'un truc. Si la dragonne a le malheur de se prendre dans une branche, par l'arrière, ce soit votre godasse, que ce soit n'importe quoi, vous avez la main qui gicle en avant, je vous donne pas cher des doigts. Et moi, ça me plairait pas du tout. Donc, j'en avais mis une au début. Virez la dragonne exclue sur les scies. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette partie-là. Je pense que quand je verrai le film à la maison, j'aurai oublié le 95% de ce que je voulais dire. Mais je pense que déjà, rien qu'avec ça, vous avez déjà un petit plus. Et puis on comprend peut-être un peu mieux, enfin je pars du principe qu'on comprend mieux les outils qu'on utilise quand on sait à quoi ils servent, voilà. toujours en parlant de scie, vu que tous ces derniers temps, je vois que tout le monde s'active et s'affaire à faire des scie cadres de la mort qui tue, ben, j'en ai fait une un petit peu particulière et je vais vous la présenter. Voilà, il y a quelques temps, enfin ça fait un bon moment d'ailleurs, je crois que, je sais pas, je dois avoir acheté 4 ou 5 lames de longueurs différentes. Ça fait un bon moment que je tenais à en faire une aussi, parce que j'aime bien ça, voilà, simplement. Et puis récemment, je suis tombé sur un petit triptyque assez sympa, un petit plomb. Vraiment rien de très compliqué, mais je trouvais ça assez sympa. Donc évidemment, je suis parti d'un reste de morceaux de bois de palette. Et puis je me suis amusé à dessiner à peu de choses près ça dedans. Et puis voilà, ça me fait une jolie scie cadre qui a un tout petit avantage. Et un truc, fallait que je vérifie parce que je me demandais si vraiment c'était comme sur le dessin et puis que ça allait fonctionner comme sur le dessin. Parce que j'y croyais pas beaucoup. Et puis Toto les Toto, ouais, ça fonctionne très bien. Donc une planchette de pin ou de sapin d'une dizaine de millimètres. Je vous mettrai, j'ai perdu la rondelle, c'est pas grave, elle est pas très loin. Je vous mettrai le dessin. Le lien vers le dessin dans la description. Ce dessin vient de Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez Pinterest, mais c'est un recueil de comment dire. C'est là où je vais poser personnellement tous les liens que je trouve intéressants sur tel et tel sujet, donc que ce soit la forge, que ce soit bien d'autres choses. Et ça permet de garder en fait des bookmarks ou je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. C'est un peu largué. Les favoris, voilà en français, n'est-ce pas? Ça permet de garder des favoris online qu'on peut partager avec d'autres ou que les autres viennent s'abonner pour voir quand est-ce que je lance des nouveaux abonnés. Voilà. Voilà, je voulais mettre un lien là-dessous, vous irez fouiner, je ne vais pas vous en parler plus. Pour ceux que ça intéresse, bah vous irez voir. Je m'accorde juste 30 secondes pour la monter et vous explique au moins la lame et je vous explique un peu pourquoi. Voilà, je disais donc, vu que plusieurs personnes l'avaient déjà fait dans les bois, je ne voyais pas l'intérêt d'en faire une dans les bois, donc effectivement celle-là a été faite en atelier. C'est bien clair, donc le chablon a été découpé approximativement.
parce que le dessin était au pouce. Et puis voilà, j'ai voulu essayer. Donc c'est une lame de 530 mm. Je trouvais ça sympathique, c'était une bonne taille. Et la particularité de celle-là, c'est que la majorité des scies qui se font en forêt ou qui s'y existent, même dans le commerce maintenant, en aluminium ou autre avec le tube, j'ai vu bouger, mais je pense à un oiseau, se rigidifie avec un système tenon mortaise. Et puis, c'est pas le cas de celle-là. Donc, celle-ci, c'est simplement, vous pouvez le voir ici, un double ongle qui vient se mettre là, entre deux. Et puis moi, évidemment, j'ai vu ça, j'ai dit, ça tiendra pas, je vais quand même essayer, mais j'ai beaucoup de doutes sur le fait que ça tienne. Hop là, bon, normalement, ça se fait à plat au sol, hein, c'est beaucoup plus facile. Mais seulement si je le fais à plat au sol, vous verrez plus rien. Voilà, voilà. Alors, je passe ma petite ficelle. Le principe est exactement le même que n'importe quel autre cicadre. Et puis, le seul bout que j'ai taillé dans la forêt, c'est ce bout-là, que je vous ai coupé tout à l'heure, n'est-ce pas, qui va venir pour tendre la ficelle. Alors, hop. Ah, il y aura quand même un bout de forêt dedans. Voilà. Alors, on va mettre ça en place, comme il faut dans les coins. Puis on va attendre un petit peu. C'est là qu'il y a tout qui va péter. Non, non, je rigole. Voilà, alors le gros problème, en principe, dans ces cicadres sans tenon mortaise, c'est que vous avez une flexion dans ce sens qui est terrible. Et là, elle est ridicule. Franchement, elle est ridicule. Alors, je vous dis honnêtement, je l'ai monté, je l'ai assemblé, j'ai vu la flexion à la maison, et j'ai jamais essayé. Alors, on va y aller. L'autre gros avantage aussi, sur cette forme, en dehors du fait que je la trouvais très très jolie, on y respecte une espèce de lyre ou de harpe, ou je sais pas, très musicale, hein. C'est qu'ici vous avez quelque chose comme 200 mm de hauteur, donc vous pourrez même envisager de scier un tronc jusqu'à 400 mm de diamètre, parce qu'il y a largement la place. On retourne dans le tronc, si on en a la possibilité, on arrive à aller assez loin. Pour une lame de 530 mm, je trouve que c'est quand même pas mal. Bah, elle va pas moins bien qu'une autre, hein. Voilà, c'est du pain un peu pourri, mais la lame est pas extraordinaire. Franchement, la lame coupe pas génial, mais la scie, elle, le cadre, tiens, le concept est bon. Pour moi, c'est bon. Compacté pour aujourd'hui. Je tiens à saluer au passage ben, à tout le monde, hein, comme je l'ai dit au début, mais en plus ben, Simon, et vous savez que si vous avez vu sa vidéo, donc Simon Nature Bidouille, je vous mettrai aussi le lien en dessous. Si vous avez vu sa vidéo, vous savez qu'on se verra le week-end prochain. Je me réjouis de ça, d'avoir ce grand gars d'1m80 et quelques à côté du petit gars d'1m70. Et bien, ça va être drôle avec Camille, bien sûr, on va se retrouver avec Camille, mon ami Prums. Mosquito, hein, ouais, alors Mosquito, en fait, on a développé un petit jeu, il a pas voulu vous le dire, mais je vous le dis quand même vite fait, on a développé un petit jeu, c'est le premier qui envoie un message à l'autre au réveil le matin, c'est sympa, allez voir sa dernière série sur la pipe, je pense que ça va être la nouvelle mode, d'ici peu, on verra tout le monde avec une pipe dans la bouche, en sortie en bivouac, ça va être très très drôle, bravo Mosquito, Fred, et puis, qui c'est qu'il y a, ah ouais, les petits jeunes de... Alors il y en a deux, il y a Naturama, Simon en a déjà parlé, donc les deux petits jeunes de Naturama avec leur cabane, là ils viennent de faire un film de bandits et tout, de la classe. J'entends, voilà, ces gamins sont dehors, c'est la classe, les gars continuez, c'est bien. Et puis les deux un peu plus grands, ça va me revenir, j'ai encore regardé votre vidéo de test de NEC là aujourd'hui, ce matin. Ah, je vous mettrai le lien en bas aussi, ça va me revenir. Libre et Nature, voilà, les deux zoulous de Libre et Nature, ils sont adorables, franchement ils sont super. Apparemment, ils sont bien suivis aussi à la maison et tout. Donc, pour le peu que j'ai échangé avec eux, franchement, ces deux jeunes bonheurs. Allez, c'est clair que c'est pas la même chose que
d'autres choses, mais je trouve que c'est bien d'encourager les jeunes qui vont dehors et qui sont pas plantés devant la PlayStation. Coucou bah, à tous les copains, hein. Gros bisous à Franck, Léo, Tremendous, bonjour à tous, et puis à toute l'équipe. C'est dommage, des fois il y a beaucoup d'entre vous, merci à tous ceux qui commentent aussi, hein. Je pense à Phil, je pense à qui la production, je pense à énormément de gens qui commentent régulièrement les vidéos, ça fait plaisir. Et puis, c'est toujours des messages sympas, c'est vrai. Voilà, ça motive à continuer, quoi. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite santé. Ça, c'est la Kuxa à mon fils. Je ne sais pas si je vous ai expliqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, ceux qui ont vu sur Facebook. C'est une Kuxa qui avait pété. Alors, j'ai recollé un morceau de bouleau, là, dans le hêtre. Et du coup, voilà, ça me fait un bol, quoi. Ça va, c'est lui qui m'a dit tout d'un coup, « Papa, pourquoi tu colles pas un bout de bois, là ?» Ben voilà, je l'ai collé, ça marche. Dans les projets à venir, rien, je vous dis rien comme d'habitude parce que je sais jamais par lequel je vais commencer où, donc mais des idées, c'est pas ça qui manque, c'est le temps, c'est toujours la même chose. Ceux qui suivent sur la page Facebook, ma foi, ceux qui n'y sont pas, je suis désolé pour vous, il y a des choses que vous ne verrez pas parce qu'elles ne seront pas filmées. Là, je viens de faire une expérience d'hydromel, je vais pas me filmer ça, ça me sert à rien. J'ai tanné des peaux de lapin, fumé. Sinon, le tchoum a avancé un petit peu, donc, mais pour l'instant, j'ai encore pas de couverture. J'ai fini de tresser avec le bois vert que j'avais. Et puis, voilà, je vais y retourner. Enfin, j'y suis retourné déjà une ou deux fois. Je voulais pas y aller aujourd'hui parce que l'endroit se prêtait pas vraiment à faire ce que je vous ai présenté. Donc ici, j'étais sûr de savoir ce que je trouvais. Puis en plus, les enfants sont passés avec ma femme comme ça, au moins, c'est vu hein, dehors. L'autre endroit, ils savent pas où ils sont, quoi, où c'est encore. C'est caché. Voilà. Ok. Allez, sur ce... Amusez-vous bien et à tout bientôt. Et puis n'oubliez pas, hein, c'est bien de rester là-devant, là, mais maintenant dégagez dehors. Hop, un dernier essai parce que là j'ai vraiment plus d'accu. Ciao.